Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les deux grandes stratégies de marketing réussies pour promouvoir votre entreprise, votre produit ou votre service. Allez, c'est parti! Dans ce premier chapitre, nous allons voir comment exploiter les médias sociaux pour atteindre un large public et créer une communauté engagée autour de votre marque. Les médias sociaux sont des plateformes en ligne qui permettent aux utilisateurs de créer et partager du contenu, comme des textes, des images, des vidéos ou des podcasts. Ils sont devenus un outil incontournable pour le marketing car ils offrent plusieurs avantages. En effet, les médias sociaux vous permettent de toucher une audience massive et diversifiée qui peut être segmentée selon des critères démographiques, géographiques ou comportementaux. C'est aussi intéressant pour créer une relation de proximité et de confiance avec vos clients potentiels en leur offrant du contenu de valeur, en répondant à leurs questions ou en les impliquant dans des discussions. Vous pouvez aussi renforcer votre image de marque en mettant en avant votre identité, vos valeurs et votre personnalité. Enfin, mesurez l'efficacité de vos actions en analysant les données relatives au nombre de vues, de likes, de commentaires ou de partages. Pour exploiter les médias sociaux pour votre marketing, vous devez suivre quelques étapes. Définir vos objectifs. Quels sont les résultats que vous souhaitez obtenir grâce aux médias sociaux? Par exemple, augmenter votre notoriété, générer du trafic vers votre site web, accroître vos ventes, ou fidéliser vos clients. Choisir les plateformes adaptées. Quels sont les médias sociaux les plus pertinents pour votre cible et votre offre? Par exemple, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ou YouTube. Créer du contenu attractif. Quel type de contenu allez-vous produire pour attirer l'attention de votre audience et la fidéliser? Par exemple, des articles de blog, des infographies, des vidéos explicatives ou des témoignages clients. Enfin, planifiez votre stratégie. Quand et à quelle fréquence allez-vous publier vos contenus? Comment allez-vous interagir avec votre communauté? Quels outils allez-vous utiliser pour gérer vos comptes et analyser vos performances? En résumé, les médias sociaux sont un levier puissant pour le marketing à condition de les utiliser avec méthode et créativité. Dans le prochain chapitre, nous allons voir une autre stratégie de marketing efficace, l'email marketing. Dans ce deuxième chapitre, je vais vous expliquer comment utiliser l'email marketing pour promouvoir System.io auprès de votre liste. System.io est une plateforme tout en un qui vous permet de créer et vendre vos produits ou services en ligne. Avec System.io, vous allez pouvoir créer un site web professionnel et optimisé pour le référencement, créer des tunnels de vente efficaces et automatisés, créer des formations en ligne et les héberger sur la plateforme, gérer vos contacts et vos campagnes d'emailing, suivre vos stratégies et optimiser vos conversions. L'email marketing est une technique qui consiste à envoyer des emails à une liste de contacts qualifiés, c'est-à-dire des personnes qui ont manifesté un intérêt pour votre offre ou vos contenus. L'email marketing a vraiment plusieurs avantages. Il vous permet de garder le contact avec vos prospects et vos clients en leur rappelant votre existence et en leur apportant de la valeur. Créer une relation personnalisée et durable avec votre audience en leur proposant du contenu adapté à leurs besoins et à leur niveau d'avancement dans le parcours d'achat. Stimuler l'action de vos contacts en leur faisant des offres irrésistibles ou en leur donnant un sentiment d'urgence. Augmentez vos revenus en générant plus de trafic vers votre site web, plus de ventes de vos produits ou services ou plus de commissions si vous êtes affilié à System.io. Pour utiliser l'email marketing pour promouvoir System.io à votre liste, vous devez suivre quelques étapes. La première, créez une liste de contacts qualifiés. Et comment allez-vous collecter les adresses email de vos prospects? Par exemple, en leur offrant un cadeau gratuit, un e-book, un webinar, un audit, une vidéo ou une mini-formation en échange de leur inscription à votre... Alors, comment créer une séquence d'emails?
quel est le contenu et l'objectif de chaque message que vous allez envoyer à votre liste. Par exemple, vous pouvez créer une séquence de 5 emails qui va présenter System.io et ses avantages, montrer comment System.io peut résoudre les problèmes de votre audience, partager des témoignages ou des études de cas de clients satisfaits par System.io, répondre aux objections et aux questions fréquentes sur System.io, faire une offre limitée dans le temps pour inciter à l'achat de System.io. Alors oui, quand et comment envoyer vos emails? Quand et à quelle fréquence allez-vous envoyer vos emails? Comment allez-vous optimiser le taux d'ouverture et le taux de clic de vos emails? Quels outils allez-vous utiliser pour envoyer vos emails et mesurer vos résultats? Tout est dans System.io. En résumé, l'email marketing est toujours une stratégie rentable et efficace pour promouvoir System.io à votre liste, à condition de respecter les bonnes pratiques et de proposer du contenu pertinent et convaincant. Quel que soit votre domaine d'activité, System.io peut vraiment vous aider. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous allez mettre en œuvre ces stratégies de marketing réussies. En espérant que mes conseils ne seront pas comme une bouteille à la mer oubliée, le lien pour découvrir System.io gratuitement est juste en dessous. Merci de votre attention et à très vite dans une prochaine vidéo.